السلام عليكم. دونك نكملو لو كور نتاعنا تاع الاركيتكتور دي زورديناتور. aujourd'hui on va essayer de voir un peu la mémoire, l'organisation de la mémoire, l'adressage bien les adresses mémoire, etc. Et on verra également un peu le fonction de quelques registres dans le processeur. Donc l'importance des registres dans le processeur. Okay. Rappelez comme la fois passée qu'on a fait exécuter une instruction dans un processeur, on a toujours l'instruction jibouham la mémoire, le processeur examine ou analyse après mais il fait ça donc il dira l'exécution. À chaque fois donc l'exécution qui est ajouté des variables bien des valeurs jibouham la mémoire qui n'est pas des résultats n'a pas de la mémoire. Ok. Maintenant, quel mot je suis à la mémoire. En fait, la mémoire, le MIPS, c'est qu'on est un peu organisé. De manière aléatoire. Concernant l'organisation, quel est la fois passée, qu'on a MIPS, par exemple, je dirais qu'on a en fait, la mémoire en plusieurs parties. Pour nous, nous avons deux parties importantes. Il y a la partie où nous avons fait le programme TANA. Donc, la partie heavy, c'est l'adresse. L'adresse hexadécimale, c'est 0040 et 0000. Il y a une deuxième partie, nous avons fait les valeurs ou bien les variables déclarées. Donc la partie هذه تكون l'adresse نتاعها c'est toujours le film MIPS c'est 0x1 et 7 0. OK. Pour la mémoire qui fait qu'on organise exactement c'est que la mémoire m'organise sous forme de lignes. Chaque ligne c'est un octet. Donc c'est un octet de 8 bits 1 2 3 4 5 6 7 et chaque bit à la valeur comme tu peux configurer la valeur 1 ou 0. Chaque octet ثاني عنده l'adresse نتاعو وهنا l'adressage راهو بطريقه c'est de manière croissante. Ça veut dire le premier octet راح تكون l'adresse نتاعو c'est tous les 0 en hexadécimal. Le deuxième octet راح تكون l'adresse نتاعو c'est 1. Le troisième octet, l'adresse interne c'est 2. Et ainsi de suite. Donc de manière, c'est de manière croissante. À chaque fois, l'octet suivant, l'octet 3, l'octet 4, etc. Jusqu'à le dernier octet, on va configurer l'adresse hexadécimale FFF. 8 fois. Ou à la belle combinée en hexadécimal FFF 8 fois, mais là, en binaire, c'est 1 32 fois. Ça veut dire c'est que la mémoire a dit nous avons le nombre de lignes. Nous avons la ligne 0 jusqu'à la ligne 1 32. Donc, le nombre de lignes, c'est tout simplement nous avons la formule à l'icône 2 à la puissance 32. Il est égal c'est 4 milliards et quelques ou en fois avec les unités giga méga etc 2 à la puissance 32 il y a 4 giga octets. Ok. Donc une remarque importante c'est que dans le processeur, malheureusement, dans le processeur, on travaille avec 8 bits. Les registres, la taille de RAM, est plus grande 4 fois. Elle confirme 32 bits. Ça veut dire, par exemple, le registre IR, qui n'a pas d'instruction, mais n'a pas un seul octet.
نجيبو 32 بيت اللي هي 4 اوكتي. دونك دو فاسون جينيرال نقدروا نقولوا في الميبس الوحده الاساسيه نتاع المعلومه اللي هي انستركسيون او بيان كومبليمون او بيان لي نومبر ريال او بيان لي نومبر اونتي اون برينسيبال سي توجور نستخدموا 32 بيت. سا فو دير لما نبغيو نستوكيو ان نومبر اونتي بار اكزومبل 128 il faut utiliser 4 octets. OK. Donc l'information c'est un peu importante. Pourquoi? Nous lisons le registre PC. Le registre PC par défaut bien initialement toujours confie l'adresse هذه اللي هي hexadécimal 00 c'est 4 et le reste 10. Donc l'adresse اللي هي signifie le bidaya نتاع le premier octet تاع لا بارتي اللي يكون فيها البروغرام تاعنا. سا فو دير اوتوماتيكمون لما نحبو نيكزيكوتيو ان بروغرام البروسيسور ديريكتومون يروح لو برومي اوكتي هذا يشارجي لا بروميير انستركسيون. يشارجي لا بروميير انستركسيون كيما قلنا لا فوا باسي ياناليزيها يكزامينيها يفهم المعنى نتاعها. لما يفهم المعنى نتاعها يكزيكوتيها on met le résultat les qu'ahem c'est possible de faire l'inflammer etc. Une fois qu'il خلص l'instruction l'oula ou je لازم يدير لازم automatiquement هو automatiquement يروح la deuxième instruction. Pour la deuxième instruction هنا le registre PC يقوم دائما بواحد العمليه تلقائيه. À chaque fois charger une instruction c'est automatiquement تكون une incrémentation plus 4. علاش بلس 4 بيسكو لا بروشين فوا راح نروحو لا بروشين انستركسيون اللي راح تكون فلو لوكتي لوكتي اللي يجي 4 اوكتي بارابور على انستركسيون اون كور. دونك اون فوا نخلصو لا دوزيام انستركسيون نروحو لا انستركسيون لي سويفونت 8. دونك لو 8ام اوكتي لما نخلصوا الويتيام اوكتي نروحوا للدوزيام اوكتي 12 في دي نمبر 12. لما نقولوا دوزيام اوكتي سا فيدير نقصدوا بها السي. لما نخلصوا من لا لوكتي 12 نروحوا لوكتي 16 اي لوكتي 16 سا فيدير سي 1 0 او نكزي او نيكزا ديسيمال. سا فيدير لو ريجستر بي سي سي تي تو سامبلومون شي هو الدور نتاعو انو تلقائيا ديما يزيد باربع درجات. على واش باربع درجات؟ اشاك فوا نروحو للانستركسيون كي سوي اكسيتيرا. دونك هنا لو ريجستر بي سي يعاون لو بروسيسور باش اشاك فوا يقدر يحدد لا بروشين انستركسيون لي تجي. اوكي دونك سي اون فاي سي ان اكزامبل نشوفو في الميبس. فوالا دونك لو ريجستر بي سي puis la valeur c'est 004 etc. Donc si vous le programme les dernières la fois passée donc vous mettez P1. Si vous vous rappelez la fois passée, Gunna, voici qu'est-ce qu'on va faire, déclarer notre trois variables. On va dire l'addition de A ou B, tout le résultat C. Gunna, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que la valeur l'arrive mémoire, la position l'arrive mémoire A, donc on va faire registre T1, la valeur l'arrive mémoire B, on va faire registre T2, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? N'assembler le code interne qui n'assembler le code. Voilà. Donc très marqué et voici je compte de quel mobile. Alors le plus important, c'est remarqué que on a la mémoire. Les instructions. Voici la première instruction. Aïe l'adresse de ha. La deuxième instruction. Voici l'adresse, ça veut dire après 4 octets, il doit la deuxième instruction. Après 4 octets, il doit la troisième.
etc. Pour les variables, donc je m'excuse pour les variables en MIPS. ماشي هذه هي الادرس كوريكت. دونك فوالا سو لو سيميلاتور لا بارتي نتاع لي فاريابل هاي منين تبدا من هذا الادرس. فوالا تقدروا تريماركيوها سي من هنا تبدا لا بارتي دو ديكلاراسيون تاع لا فاريابل. فاسي لا بروميير فاريابل اللي هي ا وهنا سي لو بي و سي راهي تو سامبلومون زيرو. Donc, là, la notation rana khdmo bl hexadécimal. Nous kan nhiou la notation hexadécimale. Vous allez remarquer, hna kan khdmo avec décimal. Voici la valeur de A et la valeur de B, 128. Pour l'instant, c'est mazal ma ndnach une valeur. Donc, avant de commencer l'exécution, je sais pas qu'est-ce qui est. Voilà, donc, je préfère nous lire le. La représentation hexadécimale, puisque là en hexadécimal, voici la valeur de PC. Dire exécution instruction par instruction. Essayez de remarquer ici qu'est-ce qui va se passer quand dire exécution, l'exécution instruction par instruction. Vous voyez, belli automatiquement le PC Z d'Arja. Ça veut dire Rahoy Gulna. Le registre PC, on a la prochaine instruction exécutée, elle existe dans l'adresse hexadécimale 004, tout le 0 et le dernier 4, et etc. Donc, à chaque fois, on dirait l'exécution. La première instruction, je vais rappeler, c'est que j'ai bien la valeur de la A, je pense c'est moins 15. Donc, moins 15, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que les moins 15, le. Le registre T1. Donc le registre T1 pour l'instant mais elle marque touche moins 15. Une fois exécuté, voici donc T1 elle contient moins 15. Et à chaque fois qu'il exécute l'instruction, toujours le PC ISID 4 valeurs. Jusqu'à qu'on puisse à la fin arriver au résultat. Donc voici, donc ici à la fin c'est donc là on termine, on peut pas continuer à la fin on a les résultats qui m'a gonna la fois passée. Donc on termine ici aujourd'hui.